C'est un numéro là.
au signe de tout à l'heure. Monsieur l'inspecteur général de nos forces. Modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21 par Monsieur le vice-premier ministre. Excellence, Madame la vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant sortant. Excellence, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement. Monsieur le à ce moment où je m'apprête à Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale. À ce moment où je m'apprête à vous remettre les clés du ministère de la Défense nationale et ancien combattant, mon premier sentiment est un sentiment de profonde gratitude à Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a déjà confié à ma modeste personne, en date du 12 avril 2021, le pilotage sous sa houlette de l'un des piliers majeurs de la souveraineté nationale, le ministère de la Défense. Que le Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Samaroukonde, qui est resté en permanence le guide et le juge attentif de mes actions tout au long des 23 mois de mandat, trouve ici l'expression sincère de mes remerciements. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, loin de moi la prétention d'apprendre à votre haute personnalité l'état de notre système de défense. Je me permets toutefois de relever à votre intention le constat que j'ai réalisé à mon entrée en fonction le 26 avril 2021. Une défense bâtie et fonctionnant sans objectifs fondamentaux clairement définis, sans identification nettement établie des menaces externes le long de nos 10 000 km de frontières, ni des menaces internes. Une défense quasiment sans diplomatie active, structurée, ni régionale, ni internationale. Une logistique de défense déficitaire et dépendant à 100% des achats à l'extérieur et de surcroît sous embargo international. Une défense aux effectifs quantitativement et qualitativement insuffisants et non maîtrisés. Une défense militaire très faiblement connectée à la défense civile. Une défense au budget insignifiant, en plus d'être faiblement exécuté. Et pour couronner le tout, une défense à la gestion gangrenée par la mafia, la magouille,
déclaré publiquement par le président de la République, commandant suprême des FARDC, en date du 21 juin 2021. C'est dans cet état des lieux politiques, diplomatiques, managériales et morales, globalement déficitaires, qu'il a fallu gérer deux défis majeurs. Le défi de l'état de siège, décrété le 3 mai 2021, comme on dit, et le défi de toutes les autres questions brûlantes de défense sur toute l'étendue de la République. Notre action de défense devait donc concomitamment mettre en place un double mécanisme de gestion de l'urgence. L'urgence état de siège, une conséquence du déficit global si haut décrit, et le déficit global lui-même, découlant de l'absence depuis 1961 d'une politique de défense clairement définie et stratégiquement conduite. Votre serviteur s'est attelé courageusement et énergiquement à la prise en charge de cette double urgence dans le respect des textes légaux et réglementaires régissant la défense de notre pays. L'état de siège a été pris en charge au niveau politique et administratif par les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice, et au niveau opérationnel par le chef d'état-major général et les deux gouverneurs militaires en collaboration avec votre service. Le bilan côté défense de la gestion de l'état de siège vous a été présenté en annexe du présent discours. Quant à la gestion de la défense globale, l'état des lieux effectué à mon entrée en fonction, faible taux de la réussite de la réforme de l'armée mise en œuvre depuis 2000. Urgence extrême d'exécuter le programme du gouvernement 2021-2023 qui, outre la gestion de l'état de siège, au Nord Kivu et à Nicoré, prévoyait notamment l'élaboration d'une politique de défense, une loi de programmation militaire, un audit des effectifs et leur rajeunissement par le recrutement, ainsi que la création d'unités d'élite et d'unités spéciales. La politique de défense a été adoptée par le gouvernement en Conseil des ministres en date du 9 septembre 2022. Elle définit les objectifs principaux et les options fondamentales de notre système de défense, notamment la dissuasion externe vis-à-vis des menaces et agressions extérieures, la dissuasion interne à l'égard des forces ennemies intérieures, la défense contre la cybercriminalité et la cyberguerre, la contribution à la gestion des catastrophes, la diplomatie de défense, le service militaire obligatoire pour la jeunesse, l'incitation au métier des armes par l'école des cadets, le service militaire contractuel, la réserve armée de la défense et l'industrie de défense. La défense militaire est couplée à la défense civile par des passerelles fonctionnelles permanentes au service des 6 fonctions stratégiques classiques de défense. Une loi de programmation militaire pluriannuel assure l'atteinte des objectifs et la mise en œuvre des options fondamentales. Tels sont les éléments fondamentaux de notre politique de défense. Sa mise en œuvre appelle à une restructuration intégrale des FARDC,
dans leur mode d'organisation et de fonctionnement administratif, logistique, financier et opérationnel, aussi bien des militaires d'actifs que des militaires retraités qui seront désormais versés dans la réserve armée de la défense sous l'appellation de réservistes. Le dispositif moral, coulé dans le code d'éthique et de déontologie militaire, et le dispositif matériel, assuré par la loi de programmation militaire pluriannuelle. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. C'est donc dans un contexte de déficit, aussi bien éthique que déontologique, qu'organisationnel, logistique et financier, que Madame la Vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants et moi-même avons entamé et mené notre mandat à la tête d'un ministère chargé de rétablir la paix et la sécurité à l'Est et sur toute l'étendue du territoire national et de dissuader toute menace interne ou externe d'atteinte à la sécurité et à l'intégrité de notre territoire. C'est ici, pour moi, l'occasion de féliciter publiquement et solennellement mon équipe de cabinet pour son endurance au travail à mes côtés, totalisant moyennement 10 heures de travail par jour, y compris même les samedis. C'est ici aussi l'occasion pour moi de saluer la mémoire de mon tout premier directeur de cabinet qui a succombé à la tâche. Titres et qualités respectives, mesdames et messieurs. Je voudrais avant toute chose rendre hommage les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne en me nommant vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et qui, par la même occasion, a nommé mon prédécesseur ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma haute considération. Monsieur le ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle
une culture d'antivaleur et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, monsieur le chef d'état-major général, mesdames et messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État et essuyons cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la défense nationale. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bien vouloir se lever et d'échanger. État-major général, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, distingués invités, que la cérémonie de ce jour. Et je demande prendre place. Thank you.
pas de téléphone. Oui, le téléphone national. Oui.